Dans le livre imprimé et illustré, la question de la couleur se pose assez vite, puisqu'il s'agit aussi pour les libraires de proposer des ouvrages imprimés qui puissent rivaliser avec le livre manuscrit qui était souvent coloré. Donc les gravures qui constituent l'illustration des livres imprimés sont très souvent mise en couleur. Alors dans les premiers temps de l'imprimerie, cette mise en couleur est manuelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de coloriage, soit à main levée, soit exécuté à l'aide de pochoirs. À partir de la décennie 1480, on voit que certains imprimeurs essaient aussi d'appliquer une certaine mécanisation pour la couleur et donc vont essayer d'imprimer la couleur. Donc c'est le cas notamment d'Erard Ratold. C'est l'impression de la couleur dans le livre imprimé sera rapidement abandonnée en réalité parce que c'est trop complexe à mettre en œuvre pour les imprimeurs. Mais c'est une technique donc, qu'on appelle la gravure en couleur qui connaîtra une certaine postérité dans le domaine de l'estampe en feuille. Et on a certains graveurs qui s'approprient donc la technique, notamment Lucas Cranach et Hans Bürkmer, autour de 1508, donc dans le monde germanique, et qui vont développer cette technique particulière, qui est donc la gravure sur bois en couleur. Et la particularité de cette technique, extrêmement complexe à mettre en œuvre, c'est qu'elle requiert autant de matrices que de couleurs. Donc ça nécessite ensuite pour l'imprimeur un exercice compliqué de repérage afin d'imprimer sur une même feuille les différentes planches successives.